La cité des Courtières comprend environ 1500 logements et se déploie autour d'un vaste parc. La construction est extrêmement simple. C'est là le grand intérêt aussi d'Émile Ayot. Avec ses techniques, qui sont extrêmement rudimentaires, il réussit à faire une architecture singulière, originale. Et aujourd'hui, on reconnaît les cités d'Émile Ayot, qui ne ressemblent à aucune autre. Tous les grands ensembles ont été largement critiqués jusqu'à une période très récente. Et on découvre aujourd'hui que quand ils ont été bien pensés, ce qui est clairement le cas de la cité des Courtières, ils peuvent ouvrir au développement d'une vie de quartier. Et on voit que ce type d'urbanisme, avec les espaces verts qu'elle offre, avec cette générosité de sol de pleine terre, permettent d'envisager beaucoup plus sereinement le réchauffement climatique.